T'es là ? Ah bah oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau Télépêche de Conak. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et comme promis la semaine dernière, on va discuter farine durant ce Télépêche. Grâce à vous et toutes vos commandes, aujourd'hui, on entend la scotcheuse qui déroule. aujourd'hui, on peut se servir chez les fabricants. Et ça a un gros intérêt parce que là où on prenait la farine de krill avant, c'était des distributeurs pour la pêche, mais ces farines étaient coupées. C'était marqué dans la fiche produit. Et là maintenant, on a des farines 100%, là c'est pour le krill par exemple, 100% farine de krill. Au niveau de la couleur, ça n'a rien à voir. Au niveau de la texture, ça n'a rien à voir. Et au niveau de l'odeur, ça n'a rien à voir également. Voilà, c'est des farines qui n'ont rien à voir avec ce que l'on distribuait auparavant. Là, les gens étaient déjà contents de celle-là. Et là, maintenant, celle-là, elle est vraiment, vraiment top de chez top. Et santé. C'est un produit exceptionnel. Et non seulement c'est un produit exceptionnel, mais on le vend aussi au même prix que ce que nous vendions une farine légèrement coupée. Voilà pour la farine de krill. On achète également chez ce fabricant, alors j'ai plus l'ancien modèle pour vous le montrer, mais la protéine de poisson soluble. Hein, c'est une protéine soluble et attractante. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire des bouillettes solubles avant. Hein. Le dosage, il est de 10% dans votre mix. Mais quand c'est une protéine de poisson soluble, ça rend vos bouillettes avec une meilleure attraction si vous incorporez cette farine dans votre mix. Et elle est bien connue. Là aussi, on a gardé le même prix pour une qualité bien, bien supérieure à ce que l'on distribuait auparavant. Idem pour la farine de calamar. Au niveau de l'odeur, ça n'a rien à voir. Dans une heure et demie, j'ai rendez-vous avec de belles infirmières flamandes. J'ai intérêt de changer de suite, sinon vous vous demandez dans quoi je travaille. Oui, ça c'était pareil, une farine de calamar coupée avec un tout petit peu de biscuit. Donc ça cassait un peu l'odeur. Et là maintenant, vous avez une farine de calamar, 100% calamar, farine de calamar. Et la texture est beaucoup plus fine et l'odeur est beaucoup plus forte également. Et ça aussi, c'est au top pour rajouter dans vos mix carnets à hauteur de 10%. Wally, voilà, et bien sûr, on a gardé les mêmes prix de vente qu'auparavant. Hop. Alors, on va passer à l'huile. Alors ça, c'est des farines qu'on utilise pour bien sûr rouler nos bouillettes fraîches et nos bouillettes stabilisées qui sont en stock ici. Hop, alors deux petits bacs. Là, je vous avais parlé de l'IBC qu'on a reçu la semaine dernière, donc on a commencé à conditionner. Je suis désolé, les bidons ne sont pas encore arrivés, j'espère qu'ils vont arriver demain, mais au moins cette semaine, vous allez avoir l'huile de saumon, 100% huile de saumon. En bidon en bouteille de 500 ml pour le moment. Mais dès qu'on a les bidons de 5 litres, vous aurez un conditionnement plus important et aussi un prix très très attractif que je vous mets ici. Alors, ça c'est l'huile de saumon qu'on achetait chez un grossiste pour articles de pêche. Là, c'est l'huile de saumon que l'on achète chez un fabricant. La texture, enfin la couleur, elle n'a rien à voir. Oh. L'odeur, on a l'impression que c'est du saumon fumé, tiens, sans Gauthier. Non, il veut pas Gauthier. Il a rendez-vous avec madame ce soir. Et ouais, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est une odeur beaucoup plus synthétique. Et là, je vous assure que vous avez une odeur de saumon fumé. Vous pouvez presque, ça vous donne presque envie d'en mettre dans la salade. Et puis, la texture est aussi vraiment différente. Hein. Vous voyez que c'est une huile, 100% huile de saumon. Elle est plus grasse, elle est plus dense.
par rapport à ce que nous avions au préalable. Bon, ça, on va faire un prix promo sur le stock qui nous reste, mais ça n'a rien à voir. C'est une huile beaucoup plus, comment dire, pas liquide, parce que c'est liquide, mais moins dense. Voilà, c'est une huile beaucoup moins dense que ce que nous avons maintenant. Pareil hein, pour l'huile de chènevis. Hein. Là, pour le chènevis, on travaille également aussi avec un fabricant qui nous permet d'avoir une huile de qualité alimentaire. Voilà. C'est bien précisé que c'est pour la pêche. Mais c'est vraiment une huile bien supérieure à ce que vous pouvez trouver aujourd'hui dans différentes marques. Voilà, on va aller voir quelques produits pour le télépêche, spécial pêche au cou. La saison bat son plein. On a rentré chez Sensas des tubes d'équilibrage en deux tailles, le petit modèle et le grand. Gauthier vous met les dimensions. Et là, vous avez cette semaine uniquement un prix spécial télépêche. Chez Matrix, une cuvette, un pack complet. Qui va sur toutes les stations ayant des pieds ronds. Et là, ça va du diamètre 20, 25 et 36. Hein. Vous avez des compensateurs suivant les pieds de votre station ou votre siège feeder. Gauthier vous met les dimensions. Et là, vous avez cette semaine aussi, uniquement cette semaine, un prix spécial télépêche. Toujours chez Matrix. Un magnifique sac fourre-tout où vous pouvez mettre vos boîtes feeder, vos accessoires de pêche au cou, votre rouleau s'il n'est pas trop grand. Vraiment un sac multi-rangement. Qui est vraiment conçu en qualité Matrix. Hein. Là vous avez la sangle, vous avez plusieurs poches. Pour ranger différents accessoires. À chaque fois, c'est super bien pensé. Hein. Voilà. Les grosses, grosses fermetures éclair. Gauthier va vous faire un petit zoom. Du costaud. Un sac imperméable. Pas étanche, hein, imperméable. Sac, vous le refermez comme ça. Et là, vous avez encore une grande poche devant. Plus un grand compartiment là. Tac. Voilà. Hop. Là, vous reclipez pour que ça se stabilise. Gauthier vous met les dimensions, et vous avez pour cette semaine un prix vraiment sympa, spécial, télépêche. Hop. Chez Sensas, un sac pour tout, vraiment grand. Gauthier vous met les dimensions. Alors c'est un sac pour ranger vos rouleaux, vos supports de kit, vos pics, vos frontal bars. C'est vraiment très pratique, vraiment bien pensé, dans les bonnes dimensions. Tac. Et pour cette semaine, vous avez un prix spécial télépêche. Alors, toujours chez Matrix, deux tablettes pour station. Là aussi, c'est pour des pieds ronds de station en 20, 25 et 36. Gauthier vous met les dimensions du petit modèle, les dimensions du grand modèle. Et pour cette semaine aussi, vous avez un prix spécial télépêche. Gros arrivage également chez Stonfo, les boîtes à plioir, à ligne, mais non pas bas de ligne, comme me dirait Maxime, sont revenus. Donc, gros arrivage, on est en train de pointer la commande, là, ça sera disponible jeudi sur le site. On a refait aussi une commande chez Guru, hein. Les boîtes à bas de ligne, par exemple, sont revenues. Dans les petits, grands modèles. Voilà, c'est dispo sur le site, en magasin. Merci pour toutes vos commandes et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Télépêche. Ciao !